Émile, Jean-Baptiste, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu. Joachim, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Oh,
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes très heureux d'accueillir la famille d'enfants et la famille d'Émile et aussi Joachim. Maintenant, nous allons inviter la famille en appelant devant l'hôtel. Venez là-bas. Moi, maintenant, je vais poser quelques questions. Papa et marraine. Venez ensemble. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Joachim. Oui, Joachim. Joachim. Que demandez-vous pour Joachim à l'église de Dieu? Le baptême. Est-ce que vous voulez dire encore plus? Bon, le baptême. C'est comme le chemin où les parents qu'on a suivi, et c'est le même chemin qu'on veut tracer pour les enfants. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Émile. Émile. Que demandez-vous pour Émile à l'église de Dieu? Nous voulons les confier au Seigneur. Merci. Vous demandez le baptême pour vos enfants, vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements et les apprendre à garder pour les commandements pour qu'il aime Dieu et ses prochains comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Et vous, qui avez accepté d'être le parrain et la marraine d'Émile et Joachim, vous devrez aider ses parents à exercer les responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Joachim, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque la croix, le signe de Christ, notre Sauveur. Émile, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix, le signe de Christ, notre Sauveur. Maintenant, je vous invite à faire le signe de croix et aussi à s'éteindre. Joachim et Émile, en même temps, nous allons prier pour qui bandit aussi Oko et les enfants. Motsu, partons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
Seigneur Dieu, tu nous fais participer au mystère de la passion et de la résurrection de ton Fils. Nous t'en prions puisque nous avons été fortifiés par l'Esprit qui fait de nous tes enfants d'adoption. Fais que nous marchions toujours sur le chemin de la vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner en toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Soyez baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi. De même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts, car si nous sommes déjà en communion avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au temps de Pâques, Jésus ressuscité adressa ses paroles aux apôtres. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Pour être admis à recevoir les autres sacrements, vous le savez très bien, mais je voudrais répéter aussi. Je voudrais répéter, si vous n'avez pas eu baptême, vous ne pourrez pas aller vers la confirmation, communion, mariage ou ordination. Ne craignez pas de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si quelqu'un ne craignez pas de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nous lisons dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 5. Et encore ceci, en Saint Marc, chapitre 16, verset 16, il dit: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est pourquoi nous avons chanté dans le psaume: Seigneur, il est la lumière et notre Seigneur. Le baptême donne la grâce sanctifiante de la vie surnaturelle. Parce que l'homme, il n'est pas comme cela a été dit plus haut. C'est donc une seconde et vraie naissance. Le baptême est une seconde et vraie naissance. C'est-à-dire que le baptisé devient héritier du ciel. Frères et sœurs, prions pour ces enfants qui vont recevoir le baptême. Prions pour ses parents, son parrain et marraine, et pour tous les baptisés. Confions-nous à la bonté de Jésus-Christ. Pour que ces enfants deviennent par le baptême des fils de Dieu par adoption, prions le Seigneur. Votre réponse, écoute Seigneur. Votre réponse, écoute Seigneur. Écoute-nous Seigneur. Pour qu'il soit un sacrement de la vraie vie et devienne par sa foi un parfait disciple du Christ. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Pour qu'en gardant les commandements du Christ, il demeure dans son amour et annonce l'évangile au milieu des hommes. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Maintenant, j'invite la famille devant vous. Parrain, parrain et marraine, et nous tous ici rassemblés, supplions pour ces enfants la miséricorde du Christ. Votre réponse, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Qu'ils renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Qu'ils deviennent un nombre vivant de ton Église. Seigneur, nous te prions.
qu'ils puissent écouter ton saint évangile et le mettre en pratique. Seigneur, nous te prions. Qu'ils aiment le Seigneur Dieu et son prochain comme tu l'as enseigné. Seigneur, nous te prions. Qu'ils grandissent en sagesse et en sainteté. Seigneur, nous te prions. Prions aussi pour que tous les disciples du Christ soient unis dans la foi et l'amour. Seigneur, nous te prions. Maintenant, nous allons invoquer les saints. Tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de sa vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Émile, que la force du Christ te fortifie. Lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Joachim, que la force du Christ te fortifie. Lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Votre réponse éternelle est ton amour. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions. Éternel est son amour. Qu'il fasse naître cet enfant à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit Saint. Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements. Tu as voulu
au cours des temps que l'autre créature révèle ce que serait la grâce du baptême. Éternel, dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sous les eaux pour qu'elle reçoive en germe la force de sanctifier. Éternel, par les flots de déluge, tu annonçais le baptême qu'il fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Éternel, aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Éternel est son amour. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Éternel est son amour. Maintenant, Seigneur, notre Père, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme crié à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, notre Père, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines, par le sacrement du baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Maintenant, je cours. Croyez-vous ensemble. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voulez-vous que Émile soit baptisé dans cette foi de l'Église, que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui. Voulez-vous que Joachim soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, je le vois. Qui?
Émile, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu. Joachim, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Émile, tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile de salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Joachim, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité du prêtre, du prophète et du roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Mets-moi en place. Émile, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ, ses vêtements blancs, et en est le signe que tes parents et tes amis t'aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Joachim, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ et ses vêtements blancs et en est le signe que tes parents et tes amis t'aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte la dignité de tes fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Et chante Alléluia.
Tu veux de rester derrière moi, comme ça tu auras des belles. Non, mais justement, les filles, c'est pour écouter. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Émile, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demain fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Émile pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Que Joachim, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Joachim pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. Merci. De grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il était déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut.
Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles viennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. La même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Elle donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant par le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi Émile et Joachim, qui sont été baptisés il y a quelques minutes, ils sont devenus enfants de vous. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage.
Si nous tous enfants nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, et nous soyons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le voit du Sauveur, et selon son commandement, nous se sommes dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers les limites parfaites. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Laissez-moi chanter, yo. Laissez-moi bouger, yo. Laissez-moi danser comme un fou, parce que je sais d'où je viens. Jésus m'a sauvé. Mon nom n'est plus là-bas, dans la liste des piétons. Je suis informé mon nom, dans la liste des malheureux. Je suis effacé mon nom. Je ne cherche plus là-bas, y'a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherche plus là-bas, Jésus m'a changé de niveau. Ne me cherche plus en bas, Jésus m'a mené en haut. Comme un nègre, on va monter. Plus haut. Écoutez, on va faire quelque chose bien aimé. Je prends tes péchés, je mets sur la balance. Je prends l'amour de Dieu, je mets sur la balance. Ah, c'est l'amour de Dieu qui pèse. Bonjour, bonsoir. Nous sommes le samedi 10. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un lieu béni pour le baptême des enfants Malonga, des jumeaux Malonga. Que Dieu bénisse ces enfants. Que Dieu fasse grâce, que Dieu continue toujours à agir, tout ce qu'il a commencé. Et nous disons merci à tous ceux qui ont été conviés, tous ceux qui ont été présents pour émerveiller ces enfants et pour être là pour ces enfants. Et nous souhaitons que le Dieu de gloire, le Dieu des anges, le Dieu de joie, qu'on appelle Elohim, fasse grâce à ses enfants, surtout pour leur destin, pour leur futur, afin qu'ils soient toujours bénis, afin que Dieu soit toujours au-devant d'eux comme un orientateur, derrière eux comme un protecteur, et à côté d'eux comme un confident. La route a été longue, mais le chemin est encore long. Donc nous demandons à ce que tous ceux qui entourent ces enfants continuent toujours à les orienter, afin que leur mission sur cette terre soit accompli en bonne et due forme. Et que les parents soient toujours là, nous tous la famille ici rassemblée, afin que nous serons toujours là pour ces enfants. Et que Dieu bénisse cette famille, et que Dieu bénisse aussi cette communauté et le lieu qui nous a reçus. Ainsi soit-il. Amen. D'abord, c'est un plaisir, c'est une joie déjà, qu'ils soient là parmi nous. Le baptême, c'est un chemin, le chemin que nous tous, que nous suivons, que le chemin que nos parents nous ont montré, et nous aussi on fait pareil pour nos enfants. C'est un chemin pour qu'un jour qu'ils soient des hommes dignes, des hommes qui auront un esprit très pieux, voilà, un esprit pieux pour le futur, pour leur vie. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi de faire baptiser mes enfants, mes deux jumeaux. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais j'ai tout simplement un sentiment de joie. Voilà. Merci, papa. Thank you.
Merci au Seigneur parce qu'il a permis qu'on puisse baptiser Joachim et Émile, qu'ils puissent rentrer en fait dans la grande famille chrétienne. Ce n'est que un témoignage en fait pour les enfants. Et le reste, ils témoigneront en fait en grandissant dans la, sur son chemin. Merci. Moi, je souhaite que du bonheur aux enfants. Reprends. Moi, je souhaite que du bonheur avec le poulet. Avec le poulet. Voilà. Aujourd'hui, là où il y a mangé, elle est contente. C'était le baptême de Joachim et Émile. Ah, c'est donc, ça. Voilà. Voilà. Je suis à côté de Mangouri. C'est elle, la maman de jumeaux. Donc, aujourd'hui, franchement, c'était magnifique. Et je dis un grand merci à Faël Image, qui répond toujours présent à nos images. Faël Image. Tokos. Tokos. Reste comme tu es. Ne change pas. Ne change pas. Toujours. On est ensemble. Et à la suite. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je bénis le Dieu du ciel. Hein, pour mes petits-enfants, c'est un moment unique avec le Seigneur, un moment exceptionnel. Et je prie le bon Dieu pour que cet engagement vis-à-vis de lui puisse aller jusqu'au bout, tout au long de leur vie. En tout cas, je souhaite aux parents bonne continuation. C'est pas facile, c'est encore petit, les problèmes sont petits. Mais quand ils vont grandir, les problèmes vont grandir. Mais avec le Seigneur, on a toujours une solution. Donc, je suis contente de l'engagement pris par les parents et avec l'aide de l'Église pour soutenir et encourager ses enfants. Donc, en tout cas, c'est une journée bénie et une journée de joie, une journée de grâce. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et que Dieu bénisse mes petits-enfants et que Dieu les protège dans leur poursuite sur la terre. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà. Mon nom n'est plus là-bas, qui est bizarre, ça m'a changé la banique. Ne me cherchez plus en bas, je suis m'amener en haut. Comme un aigle, comme un aigle, comme un aigle, comme un aigle. Mouti, 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 amatanango, 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 amatanango. Est-ce qu'on peut pousser les cris de victoire? Bango, samba changana banivo, bolukanga na sete, samba memanga na likolo, bolukanga kunate, samba changana banivo, bolukanga na sete, samba memanga na likolo. Amasiya yo 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 yo, masiya yo yo yo, sepela m.